Bonjour à tous et à toutes, c'est Cécilia, votre professeur de Pilates et ergonome. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer des mini-séries de maximum 2 minutes où je vous donne des petites astuces sur le Pilates, sur la posture, disons l'alignement et d'ergonomie aussi. Des petites astuces, si vous arrivez à les intégrer dans vos habitudes, ça peut faire des petites et des grandes différences. Alors aujourd'hui, l'astuce numéro 1, il commence à faire chaud en Belgique et dans le monde. C'est boire de l'eau. Votre médecin vous l'a sûrement dit, je vous l'ai sûrement dit aussi. Faites confiance à votre médecin. Faites-moi confiance. Il faut boire de l'eau. Ça fait une énorme différence dans le corps. Vos petites cellules, on est fait de plein de cellules dans le corps. Elles sont faites à 2/3 de notre corps et fait en grande partie d'eau. Si vous ne donnez pas de l'eau à vos petites cellules, elles vont plus savoir faire ce pourquoi elles existent, leur fonction. Vos reins vont plus savoir bien fonctionner, donc ils vont plus purifier votre corps. Votre cerveau, s'il n'a plus d'eau, il va plus savoir bien réfléchir. Ça peut amener des troubles, de la confusion aussi, de boire peu d'eau. Vos intestins, votre digestion, plus de constipation. Vos poumons, éventuellement, s'ils n'ont pas d'eau, vous aurez peut-être plus de soucis de bronchite. Donc, il y a vraiment plein de conséquences au fait de boire de l'eau. Buvez de l'eau, même si vous devez aller très souvent à la toilette. Même si vous avez de l'incontinence, même si on passe très souvent à la toilette, il faut absolument boire de l'eau. L'eau du robinet, c'est très bien. Mieux boire de l'eau du robinet que de ne pas boire de l'eau. Vous pouvez toujours le purifier. Il y a plein de systèmes qu'on peut mettre directement dans notre robinet pour purifier l'eau. Il y a plein de types de gourdes. C'est très à la mode. Je suis sûre que vos petits-enfants ont déjà des gourdes. C'est très à la mode. C'est mieux des gourdes que des bouteilles en plastique, parce que les bouteilles, on les jette et puis on perd l'habitude d'en acheter d'autres, etc. Et c'est pas boire des jus. Je viens de faire tout un workshop, une formation sur les vessies, et la dame de la formation disait, est-ce que vous prenez des douches avec des jus pour vous nettoyer? Non, c'est la même chose à l'intérieur du corps. Il faut boire de l'eau pour purifier le corps, pas des jus. On prend pas des douches avec des jus. Donc, boire de l'eau. Faites confiance à votre médecin, faites-moi confiance, ça fait une si grande différence, même si vous passez beaucoup de temps à la toilette. Dites-vous à vous-même, je vais boire de l'eau, je vais boire de l'eau. 2 litres d'eau, buvez 2 fois par jour une grosse bouteille comme celle-ci. Prenez une belle bouteille à avoir sur votre table. Attention aux dents, parce que parfois si c'est en vitre, on peut se faire mal aux dents. Voilà, ou sinon avec un verre, c'est très bien. J'espère que vous allez boire de l'eau, ça fait tellement du bien. À une prochaine astuce. Au revoir.